Et les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un bouquin que je vais un petit peu mettre dans la catégorie collection, puisque c'est un bouquin qui normalement n'est plus disponible puisqu'il était euh, défini sur deux tirages. Une première édition qui a été faite euh, il y a quelques temps, et une deuxième édition avec plus de 700 pages. Donc c'est la version finale du bouquin, l'anthologie on va dire des tests de tous les jeux de la euh, NeoGeo. Donc si vous êtes fan de SNK, c'est vraiment un bouquin qui est vraiment incroyable. Alors ce bouquin a été réalisé par Risen qui est un membre du groupe Passion NeoGeo qui est géré par mon ami Damien. Et euh, je vous mettrai les liens de ce groupe Passion NeoGeo, moi j'y suis. Euh, je suis pas en tant que collectionneur de Neo Geo parce que vous savez je collectionne pas Neo Geo, mais j'adore évidemment SNK et la Neo. Euh, je joue très souvent en jeu Neo, mais plutôt sur ma borne NvSX, où j'ai toute l'udothèque. et évidemment chaque fois qu'il y a un portage euh, PS4, Switch, par Pixel Love ou genre de choses, je suis un des premiers toujours à vous montrer un petit peu ces portages Neo Geo sur nos euh, consoles de nouvelle génération. Et donc quand j'ai vu qu'il faisait un bouquin avec tous les tests des consoles plus, etc., remis dans un seul livre d'époque de la Géo. C'est tous les jeux. On salivait à l'époque. On ouvrait le console plus, le joypad. On voyait les jeux de la NEO. On voyait que ces jeux prenaient des 95%. Les graphismes étaient magnifiques. Je me souviens de cette époque, dans le bus, quand j'allais à l'école, je lisais mon console plus. Et je voyais ces tests avec des gens que je connais maintenant, de certains testeurs de ces bouquins-là, que je connais personnellement. Et euh... Je trouve tout ça euh, incroyable de retrouver en fait tout ça dans un seul ouvrage et je remercie Friesen pour ce travail exceptionnel. Alors je vous dis travail exceptionnel, je lui fais confiance puisque j'ai simplement ouvert la, la boîte principale, ça c'est le package qui protège le bouquin, c'est un gros bouquin je dis plus de 700 pages et euh, il y avait des petites cornières aussi qui protégeaient, je les ai enlevées. Mais j'ai pas encore feuilleté le bouquin, donc euh, voilà, je veux, je veux me laisser la surprise. Ici, je vais d'abord vous le présenter comme ça, et après on regardera de plus près avec euh, le portable euh, pour que je vous montre un petit peu plus la qualité euh, de l'ouvrage. Alors, lorsqu'on l'a acheté, c'était un certain prix. C'est avec les frais, etc. Ça revenait à un peu plus de 100 euros de souvenance. Donc, c'est un certain prix tout de même. Euh, mais voilà, c'est un truc unique euh, qu'on ne pourra plus avoir. Donc. Euh, oui, moi qui collectionne les gros bouquins, j'ai envie de dire. Ouais, 100 euros, environ 100 euros. Je pense que c'était 110 euros, je crois, je sais plus. Ah bon, soit. Euh, c'est pas non plus excessif. Ça reste un prix, mais c'est pas excessif. Donc voilà, il, je l'ai laissé emballé comme ça. J'ai pas encore découvert. Donc je vais le déballer. Donc, au niveau de l'envoi, je dois dire que il a fait les choses ultra bien. Et alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi Ryu euh, tu nous le présentes alors qu'il y en a, euh, ben, il y en a plus. Donc, je sais qu'il a dit qu'il ferait plus de réédition, c'était la dernière. Je sais pas si l'offre est, est là, euh, la demande est là, peut-être que l'offre va, va revenir, je n'en sais rien. Mais euh, je voulais surtout vous parler de ça parce qu'ils sont, il est avec un autre collègue, ils sont en train de travailler sur un autre projet. Qui pour moi est encore plus intéressant que celui-ci. Ils sont en train de faire un espèce de de livre classeur avec tous les coups spéciaux de tous les jeux de versus de la Neo. Alors moi qui suis gros joueur sur ma borne, bah c'est chiant parce que t'as pas la liste des coups euh, dans les jeux quand tu joues en en sur borne. Euh, mais euh, si je dois toujours aller sur euh, mon portable regarder sur Google parce que bon quand tu dis, tu peux pas connaître les coups spéciaux de tous les persos euh, quand j'essaie un nouveau perso voilà et euh, là du coup on aurait un classeur format euh, petit format mais très et très gros euh, où on aurait en fait tous les coups spéciaux de tous les jeux de versus de la Neo et on pourrait moi je pourrais moi je mettrai à côté de ma borne alors il est en train de travailler dessus je pense qu'ils sont super bien avancés donc ils partagent ce qu'ils font sur le groupe passion Neo Geo donc moi j'ai deux objectifs ici si vous êtes fan de SNK, c'est vous de ramener ce groupe-là pour euh, grossir cette commu qui est vraiment chouette. Moi, je vous dis, je suis pas collectionneur de Néo, mais pourtant j'apprends plein de choses. Et euh, aussi pour vous, voilà, pour vous mettre euh, dedans, si vous êtes intéressé par ce genre d'ouvrage. Je pense que vous avez tout intérêt, si vous êtes fan de SNK, à vous inscrire sur ce groupe. Et c'est pour ça que du coup, je vous parle de ce bouquin. Et pour remercier Frizen pour son travail. Donc, voilà un petit peu le monstre. Donc, c'est très massif. Hein. J'ai l'impression d'avoir un, un, euh, un omnibus de chez Marvel. Donc, évidemment, le logo de la NEO, que tout le monde connaît. Et ici, bah, ça me fait fort penser, évidemment, à ma, ma puisque on a la console, ici. La console AVS. Et on a la borne pour représenter le MVS, laisse dire. Donc, voilà, un bel ouvrage. Et on a également, ici, un petit logo 752 pages, joli d'œil, Donc euh, pour les méga, vous savez bien. Donc voilà, donc c'est un monstre. La qualité d'impression, je vois, elle est très bonne, mais je propose qu'on passe en vue un petit peu plus adaptée pour que je vous présente ça, les amis. Donc voilà, on est dans une vue un peu plus adaptée, comme ça je vous montre un peu mieux euh, le bouquin. Donc on a un petit marque-page, donc très sympa, petit marque-page sympa. Voilà, je vous le montre Donc, ça, c'est une chouette intention. Donc, NéoGéo dans la presse, voilà. Euh, un petit peu comment il a nommé son bouquin, NéoGéo dans la presse, euh, par Frizen. Alors, regardez, ça, c'est pas mal parce qu'on a donc 110 exemplaires et moi, j'ai le numéro 23. Donc, il y en a très peu, on va dire. Donc, première édition, c'était avril 2023. 30 exemplaires. Deuxième édition, mai 40. Édition finale, octobre 2023, 130. Et réédition. Donc moi, c'est celle-ci euh, que je me suis prise, puisque j'ai rejoint le groupe plus ou moins dans ces eaux-là. Je ne connaissais pas le groupe avant. Donc il a refait 110 exemplaires. Donc ça que je vous dis, si, de par ma communauté, vous, vous présentez vous euh, redemandez, j'ai envie de dire, une réédition, peut-être qu'il sera motivé. Mais je précise qu'il a dit qu'il n'en ferait pas. Donc voilà, je ne sais pas. Mais honnêtement... Je trouve que ça serait chouette de faire partager vraiment le plus possible euh, les gens de ce genre d'ouvrage. Alors, il nous a fait une préface, donc c'est très bien. Donc, je la lirai de mon côté. Euh, donc, j'ai l'impression qu'il parle un peu de son expérience, je la lirai. Donc, c'est signé Freezen. Et donc, ici, on a la table des matières de tous les jeux de la Néo. Voilà, de 2020 Super Baseball à bien sûr Wardy Rose Perfect. Donc on a bien euh, toutes ces, ces pages. Regardez, 744 pages. On termine par le Samsho 5 spécial. Alors on a une présentation de la console, présentation de la Neo Geo. C'est quand même euh, génial, je trouve. La qualité du papier est très bonne. Donc c'est papier glacé, voilà. Ou un peu la qualité papier que vous retrouvez dans les magazines. En fait, j'ai l'impression un tout petit peu plus épais. Voilà, donc ici on a déjà une, une bonne, je veux dire, présentation de la console. Comme on pouvait retrouver dans les différents magazines. Voilà, différents dossiers. Donc tout ce qui existait dans les magazines de notre époque, enfin de notre ancienne époque si je peux dire, on retrouve tout ici. Donc, moi, je pensais que c'était que les tests des jeux. Mais en fait, il y a, euh, il y a également tous les articles qui étaient basés sur euh, la sortie de la machine. Donc, je vous laisse imaginer le travail d'archivage pour retrouver tout ça. Et voilà, maintenant, on démarre les tests. Donc, Magician Lord, c'est un, un des premiers jeux de la NEO. Je me demande si ce n'est pas le premier jeu de la, de la NEO qui est sorti. Donc là, vous voyez, ben, voilà, ça, c'est vraiment l'exemple que je vous citais quand j'étais dans le bus. Je lisais mon console plus et je voyais c'est dans 3%, je voyais ces graphismes pour l'époque, qui étaient complètement fous, quand on voyait ce genre de screenshot à l'époque, bah nous qui étions sur SNES ou Drive on voyait ça, bah on était complètement euh, voilà euh, subjugué. Ouais, donc ici, on a les tests, on a les commentaires des testeurs, on a vraiment les pages, comme à l'époque, mais tout regroupé en fait. Voilà, tous les tests de Magicien de l'Or, de tous les magazines. Donc vous voyez ici, on a Joystick septembre non, non, 90, voilà. Donc moi, à l'époque, j'avais euh, 13 ans. J'avais 13 ans. Donc j'étais dans mon petit bus et je lisais ça. Voilà. Et vous voyez, les prix, 2000 francs. <laughs> 2000 francs, si je fais la conversion, il faut que je passe par le franc belge pour, euh, pour comprendre. À l'époque, je devais diviser par 6. Donc 2000, divisé par 6, on va dire, c'est environ 35 euros. 30, euh, enfin, 35... Euh, non, je vais faire x6, donc ça faisait 12 000 francs belges. Et je divisais par 40, et ça faisait. Euh... Ouais, ça. Est-ce que ça faisait euh, 30 euros C'est possible Ou moi, je me trompe dans les conversions Je ne sais pas. Mais, non, je ne pense pas. Parce que 2 000 francs français, donc c'était 12 000 francs belges. Non, ça faisait 300 balles, en fait. Ça fait 300 balles maintenant. Donc, euh, ouais. <laughs> à l'époque, c'était déjà très, très cher, les jeux, les jeux néo, quoi. Voilà, Baseball Star, Ninja Combat. Moi, j'ai vraiment connu la Neo Geo, c'est en salle d'arcade. Il y avait une salle d'arcade à Gilly, pour ceux qui sont du coin, euh, près de Charleroi, où j'attendais le bus en revenant de, de l'école. Euh, et euh, il y avait Coff 94. Et euh, ben, tous les mercredis, de midi à 14h, j'allais sur la borne. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à connaître la néo c'est avec Coff 94 parce que nous en belgique personnellement c'était comme la PC Engine la Neo Geo elle était pas très présente dans les magasins. on la voyait vraiment que dans les magazines quoi c'était très mega drive Super Nintendo mais le reste c'était euh, pas très très visible donc voilà donc ça c'est tous les jeux j'ai envie de dire du début de la console bah, j'adore j'adorais ça le league bowling J'y rejoue en cours de temps en temps. Au bout de journée, je suis un peu moins fan. Alors, ici, ben, on a du, de, déjà des tops qui est sorti, des tops des jeux. Voilà, un grotesque league bowling. C'est vraiment ultra nostalgique de revoir ça. Vraiment ultra nostalgique. Alors, au niveau de la mise en page, c'est bien sûr numéroté. On a, lorsque c'est possible, ben, euh, le magazine euh, auquel l'article appartient. Alors, on va avancer un petit peu. Ouais, Crossword, j'aime beaucoup aussi. On pense toujours versus euh, pour ma part lorsqu'on on, on, on parle de la néo. Mais il y a quand même pas mal d'autres pépites. Donc voilà, Fatal Fury. Voilà. Euh, moi j'y jouais, ça, allez, pour faire une petite anecdote, Fatal Fury Mega Drive, c'était un portage dégueulasse, mais je trouvais qu'à l'époque quand j'étais gamin ça faisait le taf, et j'ai fait mes armes en fait sur Fatal Fury Mega Drive, pour savoir que la jouabilité elle était complètement dégueulasse sur la manette de la Mega Drive, et pour sortir les boules, etc., j'en ai chié, et c'est là que j'ai appris en fait à jouer... Euh jeu de versus j'avais un ami avec moi qui était fan de versus aussi euh, stéphane d'ailleurs euh, dont je n'ai plus de nouvelles euh, si euh, tu passes par ma vidéo euh, voilà, on parlait beaucoup de versus à notre époque lorsqu'on était super jeunes. et, euh, et voilà donc fatal fury avec trois persos jouables je me souviens quel, quel kiff mais on pleurait par rapport au portage de, de nos consoles euh, par rapport à la version euh, arcade ou Neo Geo, quoi. Robo Army, qu'est-ce que j'ai kiffé ce jeu aussi. Trash Rally qui est excellentissime aussi. Football Frenzy, je vous avoue, c'est un jeu que j'ai quasiment jamais joué parce que le football américain, c'est pas trop mon truc. L'Astri Resort, j'adore ce shoot. Il est en cours magnifique à l'heure actuelle. Mutation nation, ça, ça me faisait baver. Je pense que voilà cet article, j'ai dû peut-être le lire euh, 50 fois parce que j'étais jeune. Et je voyais voilà euh, euh, les petits tests. Je fais également un petit clin d'œil à DGGX qui lui, je sais, il utilise beaucoup euh, ce genre d'article dans ses reviews euh, de ses tests. Et je pense que ce bouquin euh, pourra l'aider. Je me demande s'il l'a pris. Si tu passes par là, la nous Ninja Commando, je me souviens Ninja Commando dans Microids, il y avait des défis, les joueurs venaient jouer à Ninja Commando pour gagner des cadeaux, euh, et je bavais devant le jeu, j'enregistrais je, je, les émissions et je regardais plusieurs fois les émissions, ben, un peu comme tout le monde a fait, euh, parce qu'à l'époque on n'avait pas Youtube, on n'avait pas Internet, c'était vraiment la dinguerie, Art of Fighting quand je l'ai vu en arcade avec les zooms sur les sprites, je me demandais mais qu'est-ce que c'est que ça pour un jeu quoi. Et je me faisais lâter. Je, je passais même pas un perso, je pense à l'époque. Encore maintenant, j'ai vraiment du mal sur ce jeu. C'est peut-être l'un des jeux de Versus les plus hard que je connaisse. Le 2, il est très hard aussi. Voilà, viewpoint, hein, je suis un peu moins fan, mais il est quand même chouette. Voilà, Fatal Fury 2, mais quel claque atomique aussi ce jeu. Sengoku 2, voilà, pareil, les animations, les graphismes. Oh là là. Freak and Bout, qui était très cool aussi. Alors, Wordy Rose, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, mais moi, j'aime beaucoup le côté décalé de Wordy Rose. J'aime beaucoup euh, ce côté-là un peu foufou. Fatal Fury spécial, qui est un monument. Regardez les, les notes qui se ramassaient à l'époque du 98% partout. Graphisme, certains stages sont de pure merveille. des décors à vous décoller la rétine. Sont excellents. Les compositions originales ont été réalisées avec un son en particulier. Jouabilité parfaite. Les coups s'enchaînent de façon réellement impressionnante. Durée de vie, avec 15 persos, soyez rassurés. Vous en avez pour un bon bout de temps. Alors que maintenant on sort un jeu de Versus avec 15 persos. On a tendance à faire la fine bouche. Il y avait même des pubs. Il y a vraiment tout quoi. C'est un travail euh, euh, quand même très conséquent. carlos Rivel, je comprends qu'il accepte. Mais pourtant, j'ai un petit affect pour ce jeu. Ouais, les sidekicks, mais euh, voilà. Qui n'a jamais fait une soirée vodka Sidekicks Agresseur d'art Combat, ouais, je comprends qu'il a un peu moins... Mais ça reste, ça reste assez original comme type de jeu de Versus. Un petit peu en arène comme ça. Très dur aussi, hein. c'est pas un jeu, où je suis assez bon. Et voilà, ça pour moi, c'est le monument. Ça pour moi, ça a fait... Euh, ça a vraiment apporté beaucoup dans l'univers du Versus. Avec Street Fighter 2, j'ai toujours tendance à dire que Street Fighter 2, évidemment, c'est le monument du Versus Fighting. Mais je mets quand même pas très loin à côté le Coff 94, qui pour moi, voilà c'était une claque monumentale. En cours maintenant, c'est un de mes coffres préférés, pour, parce qu'il y a la nostalgie. Les digits vocales, les impacts des coups, les musiques. Je trouve que ce jeu est parfait. Les équipes sont bien équilibrées. Euh, c'était un monument. Quand on voyait ça en arcade, c'était un truc de ouf. Honnêtement, regardez-moi ça, le dossier qu'ils ont préparé. 94%. Dans nos amis de Joypad à l'époque. Nous, on voyait ça dans les magazines. On était fous, les gars. On était complètement fous. Player One ici. 92%. Un uh, COF 94, mais quel monument les amis. Et après, bah, vu le succès, vous connaissez, ça a été jusqu'en 2003 euh, sur euh, AES et MVS. Et ensuite, bah, voilà, la série a continué sur les consoles de salon, hein, puisque l'arcade a commencé à disparaître au fur et à mesure. Ici, Sam ça Sam chaud 2, qui pour moi reste le meilleur. Enfin, je, je veux dire, c'est un affect particulier que j'ai avec ce jeu. me chaud 2, mais quel souvenir aussi sur ce jeu. Avec Galford et Charlotte qui sont vraiment des, des persos que j'adore. Street Hoop que j'ai un peu moins joué parce que le basket c'est un peu moins mon truc. Galaxy Fight pareil, il est très étrange dans son visuel, un petit peu, je vais dire, euh, peut-être pas digitalisé s'il y a un peu, mais voilà, j'ai un petit peu moins d'affect, mais il y a de, beaucoup de gens qui aiment bien. Double Dragon, voilà, il n'a pas une bonne presse, mais moi j'aime beaucoup le jeu de Versus Double Dragon. Ouais, il est a, a un petit peu moins, je peux comprendre, hein, il n'est pas parfait, mais qu'est-ce que j'ai déjà passé des heures ce jeu-là. Fatal Fury 3, voilà, mais que dire sur Fatal Fury 3 euh, Pas grand-chose à dire. Le KOF 95, voilà, ça c'est une dinguerie aussi. Pareil, j'ai beaucoup joué, mais sur la PlayStation 1, il y avait un bon portage sur la PlayStation 1 de KOF 95. Voilà voilà, donc vous voyez, bon, je ne vais pas tout feuilleter avec vous, mais vous voyez quand même que c'est un bouquin. Euh, voilà, moi je vais le dévorer. Je vais me... Surtout pour la nostalgie, je vais euh, reparcourir les articles. Et un petit peu me remémorer un peu tout ça. Voilà, readbout 2, mais qu'est-ce que j'adore ce jeu. Cov 98, qui est à l'heure actuelle, avec le 2002 Ultimate l'épisode le plus apprécié enfin, ça dépend des pays moi j'aime beaucoup 98 je dois dire j'avoue à 95% quoi last blade j'adore ce jeu aussi il enfin, n'y a pas à dire un hein, jeu de versus de la néo c'est une religion les amis donc voilà vous voyez que c'est quand même ultra complet on a une table des matières à la fin également qualitatif, pas grand chose à dire, voilà, pas grand chose à dire. On repasse pour la conclusion, les amis. Eh bien voilà les amis, j'espère vous avoir fait découvrir un objet sympa. Au-delà du fait que ce sera peut-être difficile à se le procurer maintenant, j'avais envie de mettre l'accent aussi. Il euh, y a des passionnés euh, qui sont euh, ça et là et qui font des choses. Pas très visible je veux dire dans pour le grand public mais j'estime que euh, des chaînes comme la mienne ah, il faut un petit peu relayer tout ça et euh, montrer qu'il y a des gens qui sont méga passionnés qui font des objets mais de ouf parce que pour moi c'est un objet de ouf dans ma collection ça et euh, moi les bouquins vous savez j'adore ça et je me devais de vous le partager les amis j'espère que cette vidéo vous a plu Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour aller rejoindre le groupe Passionné au Géo. Il y aura les liens dans la description, bien sûr. Prenez soin de vous et des autres. Faites chauffer les consoles. A plus, à plus.